Musique en ce week-end de Pâques, l'apparition d'un nouveau genre chez les catholiques, la pop louange, les thèmes religieux version rock. Parmi les groupes phares, Glorious, 15 000 albums vendus et une tournée au festival de Pâques à Chartres. Éléonore Gay, Hervé Pozzo. En 8 siècles, ces murs ont résonné de milliers de chants à la gloire de Dieu. Mais ce matin, à la messe de la cathédrale de Chartres, il fallait se rendre à l'évidence. Depuis les JMJ, une nouvelle génération d'artistes chrétiens fait rimer religion et chansons. L'Église actuellement a vraiment besoin de la musique et des expressions artistiques contemporaines. Amen, alléluia, amen. Sur le marché de la musique évangélique, Glorious tient le haut de l'affiche. 15 000 albums vendus, un public jeune et plutôt catholique. Pour ces trois frères, c'est un ministère plus qu'un travail, une œuvre soutenue par le pape Jean-Paul II en personne. Je trouve que c'est extraordinaire parce que ça évangélise, c'est enfin la foi dans notre vie de tous les jours. C'est pas nous qui avons eu l'idée de monter Glorious, c'est un appel, on a reçu ça sur le cœur. Voilà, moi j'avais un boulot, jamais Tom était lycéen, merci. Hein. Et voilà, on a tout plaqué pour suivre le Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit de Dieu. Pour les chrétiens qui peinent à entendre le message des évangiles à cause des guitares électriques, il restera toujours les classiques. Sainte Vierge Marie, tendre Mère du Très-Haut.